Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Scarlet Sonic et aujourd'hui nous allons jouer à... Yes! Football Manager! Allez, let's go! Aujourd'hui au programme, deux matchs, le FC Tokyo et le Gamba Osaka. Alors je sais pas exactement quand les transferts se terminent. On va regarder ça tout seul, on va regarder ça ensemble. Mais on est encore dans la période des transferts. On est donc sur Keisuke Goto, qui est un attaquant. 22, donc juste avant le Gamba. Ok. On est sur Keisuke Goto, qui est un attaquant. On va par au plus pressé. C'est-à-dire que là, tout de suite, comme je l'ai dit, eh bien, on attend toujours lui. On ne sait pas. Ça va nous prendre 700 000 des 1,4 million. Il va nous rester donc 700 000. Ouais, 600 000 plutôt. Il va nous rester à peu près 775. Quoique. Ouais, si, 695 000. Dans le genre, je sais pas exactement à combien on est. 477. Non, même pas. Exactement ça. Il va nous rester 702 000 à peu près. Environ. 6 signes. Donc, Keisuke Goto, un attaquant, pour remplacer le départ de Fujiwara. Il va nous falloir des joueurs, hein, quand même. Très clairement, il va nous en falloir. Le plan, ça va être de trouver un moyen d'améliorer certains postes. Je l'avais signalé, mais la défense centrale a tendance à s'endormir un petit peu trop en cours de match. Notamment quand t'as un Aigbus qui a tendance à s'endormir à 9 en concentration, c'est normal. Omori, il a 15 en concentration, mais ça se voit pas. Vu les matchs qu'il fait de temps en temps, ça se voit pas du tout. Nakamura, il a 11 en concentration, c'est pareil. Mais tu vois que on regarde la concentration, mais tu regardes la déter, 9, 6, 4, tu vois que... La déter est un peu basse, à part le jeune 18, mais il a pas de concentration, pas de 8, ouais. Tu vois que Camille Yata est pas trop mal, même si avec son level il est pas trop. Chase pourrait faire des bons matchs, le problème c'est la dernière fois qu'il est rentré, il a pas fait une bonne entrée, et je sais pas. Et Koike est plus sur le côté. Donc, peut-être, tu vas trouver un autre défenseur, Un peu comme Chase qui a une bonne concentration et une bonne déter, ça pourrait aider en défense centrale pour faire du bien. Ça pourrait nous aider notamment à ne pas prendre de but en fin de match comme on fait habituellement ou en fin de mi-temps. Voilà, le mauvais match de Henry Chase la dernière fois, je vais l'attribuer à période d'acclimatation au nouveau championnat et. Le fait qu'avant il jouait en équipe 2 et là il joue en première, donc il n'a pas forcément l'habitude du niveau qu'on lui demande. Donc il faut attendre un peu, il n'est pas horrible. Mais potentiellement un autre défenseur central, Oda, il est comment 7 en éther, ouais, c'est pareil, il fera pas forcément la différence en gros match. Mais ça dérange pas. Il est juste là pour faire en remplaçant ou des trucs comme ça, donc c'est pas méchant. Et tu vois que Toli, tu vois, 11 en concentration, 13 en déter, c'est pour ça qu'il se donne sur le terrain. Et à gauche, Yamaguchi, il a pas de déter. C'est pour ça que de temps en temps, tu vois disparaître. Et Maru qui part à la retraite. Ouais, ça va, 10-13, ça va. Mais donc, du coup, oui. On a ça, faudra regarder, il y a certains joueurs qui sont pas nécessairement bons, où il va falloir potentiellement chercher des joueurs à leur place. Donc notamment, il va nous falloir un autre défenseur central, encore qu'on a Camille Yata quand il reviendra de blessure, si, il me semble qu'il est blessé. Non, il est juste là. Donc, non, on est bon. Mais, ouais, il va falloir qu'on trouve... c'est plus des cibles pour l'année prochaine, vendre des défenseurs centraux
pour essayer d'en trouver des meilleurs niveau concentration et détermination. Ça serait bien. Mais très clairement, voilà. D'ailleurs, ce que je vais faire, on va modifier la recherche au niveau du recrutement. Celle qui est sur le mercato, on va modifier celle-ci. Je préfère 2,5 minimum. On va mettre les 50 ans. On va monter jusqu'à 25. Domaine Japon. Voilà. Confirmer, autres critères, stats, conditions physiques, convention générale, analyse stats. Non, général. Non, je sais plus. Les conditions de... Non, il y a pas. Je peux pas mettre les stats. Quand je dis les stats, c'est les magnétiquement les stats. C'est les non, ça marche pas, je peux pas. Tant pis. C'est les je mets tous les postes de la tactique, quoi. Ça c'est fait. C'est les Miura qui est dessus normalement actuellement. Miura et c'est Shimizu qui est là-dessus. Normalement. Oui, donc du coup, qu'est-ce que je vais regarder, là, c'est toujours ça. Oui, on peut pas limiter apparemment. On peut pas. Apparemment, on peut pas limiter avec les stats. Donc il faudra que je fasse attention. Il m'a tout déréglé parce que j'ai regardé un autre truc. Mais ouais. Ça m'a dit qu'on puisse pas regarder les attributs. Bref, c'est pas grave. On regardera les attributs nous-mêmes et puis on y fera très attention, c'est tout. Mais oui, il faudra se pencher sur beaucoup sur concentration et détermination en plus du physique et des stats spéciales. Parce que j'ai l'impression que notre équipe se déconcentre un peu trop facilement sur les matchs. Pour les nouveaux, il faudra faire attention. Bref. Donc comme je l'ai cité juste avant, on a deux matchs, Tokyo, Gamba Osaka. À nous de gagner les matchs. Hein, on est sur une série qui est pas terrible. Honnêtement, en championnat. Championnat, tu vois, sur nos 6 derniers matchs, on en a gagné que 2, quoi. Donc on est sur une série qui est un petit peu. On est un peu en difficulté. Là, si on rajoute 4 des matchs, on aura gagné que 3. Hein. Depuis là, hein. Là 4-0. Et après, 3-3, 5-2, 2-2, 2-0, une victoire 3-1, 3-4, une victoire 2-0, 3-2, 2-2. On a gagné que 3 matchs sur les 10 derniers. En championnat, son coupe, on en avait quand même perdu. On a quand même gagné un autre. On a quand même gagné un hein, coupe. Hein. Donc ouais. Mais ouais, il va falloir qu'on s'active un petit peu. Sur ce, bah écoutez, s'il se passe quelque chose, je vous retrouve dès qu'il y a quelque chose que. Dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, je vous reprends. Pas de soucis. Bouh ! Putain, mais sérieux, quoi. On lui proposait combien, juste pour savoir? 17, je crois. Hein. Ouais, le mec, il préfère prendre 14K plutôt que 17. What? T'es sérieux, mec? Bon, on va aller regarder. Regardez, du coup, on va s'attacher à ce que j'étais en train de faire. Était observé. Et tu vois que j'ai mis un filtre en place. Japonais avec de la concentration et concentration et détermination. On a essayé de trouver un attaquant.
Après, tu vas me dire, on a peut-être un jeune qui va sortir, on a un autre jeune. Bon, le jeune actuellement il est blessé. Le problème, c'est que ouais, si on n'a personne pour remplacer le gars qui est actuellement sur le terrain, on va pas. Ça va, on va galérer, quoi. Est-ce qu'on a un jeune en attaque? Oui, alors oui, on a j'oublie tout le temps son nom, mais on a le mec qui est en B qu'on cherche à vendre aussi. Donc oui, c'est pas important, ça peut passer, mais est-ce qu'on a un autre attaquant qui serait intéressant? Non, on en a plus, le mec est monté là. Donc ouais, il y a Radjipovic, mais Radjipovic est plus milieu de terrain. Ouais, parce que normalement ils sont 4 à l'attaque actuellement, mais un peu plus qui c'est. Otani là quand même, j'ai pas fait le con, j'ai pas. Si c'est lui. Ouais. Alors, je le rajoute à la liste. Otani là c'est en urgence. Vraiment, si on a besoin. Vraiment, genre si un blessé. Voilà, mais à part ça. Par ça, on va être bon. Ouais, ça m'embête, quoi. L'autre débilos, là, il a fait n'importe quoi, franchement. Propose 17K, il préfère partir dans un autre club, quoi. Pour moins cher. Ouais. Sachant que je lui avais proposé, je te dis, j'avais proposé 17K, donc normalement. L'autre équipe lui a proposé 14K5, quoi. Alors il doit y avoir 52 primes, c'est peut-être pour ça qu'il a accepté l'autre équipe, mais. Putain, 14K, quoi, mec. Tu proposes 17. Non, on saura pas pour le contrat. Le problème de demander à lui, c'est qu'il va me sortir des étrangers, comme d'habitude. Les étrangers, les mecs, ils ont 25 ans à chaque fois. Alors oui, ils sont pas horribles, mais bon. Déesse de merde, sérieux. Mec, est-ce que t'es au courant qu'on est au Japon? Parce que j'ai pas l'impression. Bon. Regardez ça. Unité de concentration. D'où ça ira très bien. Pas moins mieux que des japonais. On le filtre après. Non. C'est normalement c'est sur la recherche que tu le mets. Mais... Ah, c'est en bas. Hop. Voilà. Ah, bon, je veux bien prendre à 16 ans, mais il faut qu'il soit bon, quoi. Il manque un peu de sang-froid, il manque un peu de physique. Après, il a 16 ans, quoi, donc ça se fait. Horrible. Il manque un peu de sang-froid. Lui, là, le physique, il est professionnel, ça peut se faire aussi. Avec un 15 en finition. Il fait combien, 1m74 Ça peut se faire, mais il faudrait qu'il y ait du potentiel, quoi. Est-ce qu'on prend un aveugle ou pas? C'est ça la question. Il est professionnel.
De... Ah ben on a les infos? Non. Je vois juste qu'il est à 2 étoiles devant. Ça pourrait nous intéresser. 2, c'est pas horrible. Hein. Ouais, non. Après, ça dépend s'il y a du potentiel ou pas, quoi. Pas envie de prendre... C'est des bonnes perfs ou pas en J3? Non, pas vraiment. On va l'observer. Ça nous engage à rien de l'observer. Oui, comme... Ouais, en 600 finition. Kazuki Fujizawa, pardon. Fujizawa. Ouais. Ah, il a 8 en sang froid, quoi. On travaille avec l'âge, mais... Celui-là. Ouais, non. Ça montre avec l'âge et le fait qu'il jouera en première ligue. Tranquillement. Mais c'est le même que nous. Il a quasiment le même jeu, le même nom. En déter, lui j'ai le regardé uniquement parce qu'il y a 19 en déter. Hein. Ah, j'suis en train de me dire, mais une sur deux, il y en a pas, il y en a pas avec les deux. Beau Soma. Il y a beaucoup de taf hein, quand même sur lui. Ouais, 13-12 en finition, ça peut se prendre. Pareil. 11-11, pareil. Il y a un peu moins de travail sur lui. Il est motivé, donc ça peut se faire. C'est celui que j'étais en train de regarder, je suis con. Tomori. Non, le problème, c'est 4 en concentration, quoi. Mais lui, pareil, il a 16 ans, il a un physique qui est déjà très bien. Il y a 9-10 en finition, ce qui est pas horrible. Ça pourrait être mieux, hein. On en a vu des mieux, mais ça peut monter, quoi. Il est 14-11 avec un bon physique, manque de concentration. Tout ce qui lui manque. Ouais, il lui manque d'autres choses, hein. Il y a des déplacements sans le ballon, peut-être, les appels de balle, voilà. Appels de balle aussi. Mais ça peut être un... Là, c'est peut-être un petit joueur de saison que je vais peut-être récupérer, ça. Et que je vais faire jouer assez régulièrement, parce que... Il est pas si mauvais que ça. Il est pas si mauvais que ça, il a le physique et tout, il peut probablement jouer en première div. Ouais, il manque potentiellement juste les appels de balle. Les appels de balle et un peu de concentration aussi. Mais il est agressif, c'est ce qui est bien pour un attaquant. En jouer, c'est pas une mauvaise personnalité nécessairement. 14 ans d'éther, il progressera probablement s'il a assez de professionnalisme. Manque un peu de technique, je veux dire, il manque un peu de technique, littéralement. La technique dribble, il a pas forcément. Faire un 71 dont j'ai pas eu demandé de jouer de la tête. Après, en finition, 14. 11 en sang froid, ça passe bien, c'est très bien. Il est même très bon en leadership, il pourrait faire un bon capitaine, tu vois. Encore qu'il n'y a pas le jeu collectif, mais tu vois, ça peut s'arranger. Ça peut être un joueur que j'essaye de prendre. Tu vois, j'ai le 1,4 million, donc on peut mettre 100K probablement. Est-ce qu'il les vaut? Honnêtement, il a 16 ans, à moins qu'il ait pas de potentiel. Ouais.
qu'est-ce qu'on fait une offre? Est-ce qu'on fait l'offre? Je vais faire l'offre pour l'instant. Alors, on va négocier avec lui, mais on va. Ce que je vais faire. Comment il s'appelle? C'est Oikawa, c'est ça? Ce que je vais faire. Si je vais le mettre premier de. Premier. Je vais le mettre en premier au niveau de la priorité. Il y a 450 joueurs. Hein. Donc il est en bas, je suppose. Hein. Ouais. Hop, allez, on est remonté. Donc lui, il soit premier. On va à tout prix qu'il y ait quelqu'un qui se mette dessus tout de suite. En termes d'observation. Je vais retarder un petit peu le contrat. Pas quand il va me demander nécessairement. Mais ouais. Je peux pas cliquer. Importance d'affectation. Il me l'a mis en premier. Ouais. Ok. Ah, il va me le falloir très vite. Parce qu'il faut juste que je sache s'il a assez de potentiel pour pouvoir exploser en joueur en première équipe. S'il a ce qu'il faut, ouais, sinon non, je négocie pas avec lui. Mais ouais, lui, là, au niveau des stats qu'il a actuellement, il peut jouer en première équipe sans problème. Là, hein, il manque un peu d'appel de balle et de concentration, c'est tout ce qui lui manque. Ça, le volume de jeu et appel de balle, concentration, volume de jeu et le jeu collectif. C'est tout ce qui lui manque. Après, le reste, on n'a pas besoin nécessairement. Ouais. Ce serait bien d'avoir la vision du jeu, mais. Voilà, il a 16 ans, donc il a le temps de le faire monter, quoi. Il veut pas négocier. Ok, fine. Voilà. On va quand même l'observer, parce que voilà. Heureusement qu'il veut pas négocier, du coup, mais on va quand même l'observer. Pour savoir s'il y a du potentiel ou pas. Ok. 84 plus 73 plus, 100, plus 16, ça fait combien? 175 en potentiel, ok. Lâche pour 250. Moi, ça m'ira très bien. 20%? D'accord. Et 20% la prochaine ronde. Bon, y a pas de souci. Hein. Ça vous va? Parfait. Moi, ça me va. 250K directement. Avec 20% à prochaine vente. Bon, le problème c'est qu'on a c'est pas lui qu'on cherche à vendre, mais c'est pas lui, t'es en B, je l'aurais pas utilisé de toute façon, donc autant qu'il parte. Ouais, faut que j'essaye un truc avec le petit jeune pour regarder tout à l'heure. B sur une recrue utile, oui, mais t'as le rapport ou pas? Ah ouais, quand même. Un contrat, offre de contrat. Ah non, faut négocier un contrat. Ouais. Il a signé quand lui? Signature de contrat pro 4-4-2 29-1-2026. Ah, ouais, effectivement. Il vient juste de signer. Il a signé un contrat pro. Avec le Niigata. Ouais. Bon, du coup, il va falloir attendre que son contrat démarre, genre mi-saison prochaine, pour le recruter, le gars. Ouais. Mais là, tout de suite, c'est B+, donc c'est pas terrible. Il y avait un autre que je voudrais qu'on regarde un petit peu rapidement, mais je sais plus qui c'était. C'est par là. Il y en avait un autre, mais comme je dis, je suis avec le dire, je ne sais plus qui c'était. 15, 10, physique. Ouais, lui, ça serait intéressant de le regarder vite. Il y aura aucun. Ouf. Allez, va en haut là-haut. Parce que il a les stats qu'il faudrait. Faut juste que je sache s'il y a du potentiel ou pas. Donc faut que ça aille vite en fait.
Il lui manque un peu de sang-froid, il manque un peu de concentration, un peu d'appel de balle, mais ça se travaille, si tu veux. Donc si on peut l'avoir, ça peut m'arranger. Il est déjà à 2 étoiles en plus, donc il a déjà un peu. Enfin, il est un peu en dessous du niveau, mais il a déjà le niveau de la première ligue. Donc s'il a un peu de potes, il faudrait voir si oui ou non. Ah putain, mais ils sont chiants à tous signer des contrats pro là. Oh, vous faites chier les gars à un moment. Parce que lui, je pourrais pas le transférer non plus, quoi. Putain, merde. Mec de 16 ans qui signe pas des contrats pro. Ah, c'est pas grave. Pas grave, on regardera. On regardera une autre fois. On regardera la saison prochaine, on verra. Bon. Alors, il y a des comme ça. Vous remarquez que Nishiya, il est là. C'est parce que j'essaye de le vendre, mais qu'il n'y a pas d'intérêt sur lui actuellement. Donc j'essaye, je vais le faire jouer un match là. S'il fait un bon match, il y a potentiellement quelqu'un qui le voudra ou quelque chose comme ça. Donc pourquoi pas. Derrière, on a Chase Omori. Alors pourquoi? Parce que bon, Omori, pas si mauvais que ça. Il m'a fait un mauvais match la dernière fois. Ce qui m'a énervé, mais il est pas si mauvais que ça. Pas si mauvais que ça. Et Chase, c'est le meilleur des défenseurs qu'on a récupéré récemment. Donc, on dit avec ça, on a peut-être une défense solide quand même. On a Yamaguchi qui est là, on a Toli qui est là, il y a. Pardon. Il y a le reste de l'équipe qui est là. Donc, je me dis, il y a une chance qu'on fasse quelque chose. Une chance qu'on fasse quelque chose. Bref, on va voir. Oh, attends, non, mais écoutez, dites-moi ce que vous faites aujourd'hui et que vous... dites-moi comment votre journée s'est passée aujourd'hui. Donc oui, comment votre journée s'est passée. Et si vous jouez à FM, qu'est-ce que vous... Où vous êtes, ce que vous faites. Comment ça se passe, tout simplement. Aussi, dans les commentaires. Et puis voilà. Donc, oui, je sais, ça va leur mettre la pression, ils vont couiner. Si, mais il faut qu'on arrête de perdre là, ça suffit. Arrête de perdre des points en cours de route là. Surtout que Tokyo, ils sont sur une série qui est pas terrible. Hein. Tu vas me dire nous non plus, nous aussi, mais bon. Faudrait qu'on arrête de perdre. Donc ouais. Allez. Le match contre l'FC Tokyo à l'extérieur. En espérant qu'on fasse un bon résultat. Ce sera intéressant. Quand même, de faire un bon résultat. Ah oui, c'est ce fameux match où on voit rien du tout au niveau des maillots parce que les deux équipes ont la même couleur. Génial. Oui, ça lag. Oui, je sais. Désolé. Ça va s'arrêter. Hein. Eh bien, Pasquali, c'est bien. Suzuki... Non, il a choisi la bonne cible. Suzuki Toli, oui, Toli, oui. Omori, ah, ils font la pression. Ils mettent la pression quand même en face. Ils mettent la pression en face. Oh, Onozuki qui part dans le dos de la défense. Passe pour le gardien adverse. Souffrant, hors jeu d'Onozuki. Ouais. On n'est pas trop mal. Pour l'instant. Pasquali et but de Pasquali. 1-0 sur coup franc. 3 minutes 14 de jeu. But à la 4ème minute. C'est pas mal. On l'a pas très bien vu parce qu'il y a eu du lag, mais oui. Gardien un peu fautif là-dessus, il aurait pu l'attraper.
Je sais pas pourquoi je lag aujourd'hui comme ça. Je lag un peu moins d'habitude. Nozeki, oui. Nozeki, l'accélération. Allez, accélère. Passe la seconde, bon. Passe quali. Oui, encore. Oh, 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 oh. Oh, dommage. Ouais, ça, c'est... C'est pénible d'avoir deux équipes avec la même couleur de maillot, parce que quand tu regardes le match, tu te dis, ah, il y a une possibilité au centre. En fait, non. C'est un adversaire qui était au centre, donc... Liberté. Voilà, c'est bien trouvé ça. Allez, Suzuki, repique pas au centre, t'as pas le droit. Aïe, 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 tu vois. Même, j'ai l'impression que même les joueurs, ils sont un peu paumés par moment. Tu le vois, certains comportements, notamment là sur la passe, il a fait une passe dans le vide parce qu'il pensait qu'il avait un collègue à cet endroit-là. Encore une fois, hein. Ah ouais, mais... Pff. Changez-moi la couleur des maillots, là. Il y a... On a bien un kit à l'extérieur, quand même. En blanc ou en bleu, ou en bleu, non, mais... En jaune ou, je sais pas, n'importe. On a bien un kit à l'extérieur d'une couleur différente. Il me semble qu'on a... J'ai déjà vu l'équipe jouer avec un autre maillot, donc... Mettez-moi ce maillot à l'extérieur. C'est quand même, là... Enfin, surtout contre le Tokyo... Il y a certaines équipes, non, il n'y a pas besoin, mais... Contre le FC Tokyo, là... Mettez-moi le maillot à l'extérieur, là, parce que, putain... c'est le bordel pour suivre les actions, à chaque fois. Tu sais pas si c'est un collègue, si c'est un de tes joueurs, ou si c'est un adversaire qui est là. Sur l'action. Ouais, Berthé, c'est bien trouvé ça. Ah, dommage. Encore, pas fini. Yamaguchi, Nishiya, deuxième poteau, Suzuki. Récupéré par l'adversaire, tête. Hop, re-récupéré par Omuro. C'est compliqué de suivre l'action. Je vous avoue, entre ça et les petites pointes de lag un petit peu à cause de l'ordi, de temps en temps, les actions sont compliquées à suivre. On nous équipe au-dessus. Voilà, entre les deux équipes qui ont un maillot qui ont qui est quasiment de la même couleur et les actions et les petits bugs de lag en fait, les petits lags. On a du mal. Hein. On a du mal à suivre certaines actions. Mais c'est ça, c'est ce que je comprends pas, c'est qu'on a bien un maillot à l'extérieur quand même, on n'est pas débile, on n'a pas qu'un seul maillot. Donc, pourquoi on mettrait pas le maillot à l'extérieur quand on est à l'extérieur? Ça, je comprends pas. Là, on n'est pas à domicile. Pourquoi on met pas le maillot à l'extérieur? Le maillot à l'extérieur a forcément une couleur autre que bleu. Tu veux. Mais c'est pareil pour le FC Tokyo, c'est pareil, ils doivent bien avoir un deuxième maillot quand même, ils ont pas qu'un seul maillot. Quand ils sont chez nous, ils ont pas à mettre le bleu. Ouais, Suzuki, c'est bien. Toli, boum. Et 2-0, but de Toli. Est-ce qu'on va avoir une de ces rares fins de première mi-temps où on va rester concentré jusqu'au bout de la mi-temps? Et où on va pas prendre de but? Ah ouais, non, 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 les passes. Allez, pressing! Go, 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 pressing! Il est où, Nozeki, là? C'est quoi? Si tu fais en retrait, c'est pas à toi d'être en retrait, là. Monte un peu. Il n'a pas eu dire de marquer le défenseur central, là, au Nozeki, parce que... Il est trop bas. Beaucoup, beaucoup trop bas. C'est pas à lui d'aller attaquer le défenseur... J'aurais dû me taire. C'est pas à lui d'aller attaquer les milieux de terrain.
pas à lui de suivre. Il y a Berthé qui est sur, censé être en retrait, c'est à lui de suivre. C'est à Berthé de suivre. C'est pas à Onozeki de redescendre. Onozeki, il est en pointe, donc c'est pas à lui d'aller chercher les milieux de terrain défensifs. Je vais faire deux choses avant de lâcher. Je vais dire à... Je vais dire à Onozeki d'arrêter de descendre. Parce que... Parce que ça fait beaucoup. Il descend beaucoup trop. Il a décroché ou pas? Non, il a prenait les espaces, mais... Ok, marque un poste spécifique. Prends-moi un des défenseurs centraux, n'importe lequel, mais tu m'en prends un. Tu m'en prends un et tu restes dessus. Je veux pas te voir en bas. Je veux pas te voir plus bas que le défenseur central. Ok? Ok. Pointez du doigt. Vous déconcentrez pas, les gars. Allez, pointez du doigt. C'était pas mal, mais vous pouvez faire mieux. Ouais, Nishia qui est anxieux. Je reprends pas. Allez, Omori. C'est quoi Nishia pour l'instant, 6,8? Pas avec ça qu'il va attirer des gros clubs. Ou des clubs tout court d'ailleurs. La passe. La passe. Katano, la passe. Et Nishia, accélère. Allez, accélère. Décroche la caravane. Pasquali. Oh là 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 là, c'est complètement raté. Allez, go! Onozeki contre-attaque, oui! Berthé, 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 Berthé! Il l'a pas regardé, il l'a pas vu. Il a pas levé le nez. Et but de Katano. Heureusement qu'on met le but, parce que... Ça aurait pu hurler pendant peut-être 5 minutes là. Pas avoir fait la passe à Berthé, tu vois, il est là Berthé. Hein. Pourtant. Hein. Là. Il est là et ça faisait peut-être 10-15 mètres qu'il était pas hors jeu, qu'il était derrière le ballon, qu'il était pas hors jeu, qu'il attendait le ballon. Ça m'ennuie de pas avoir vu cette passe en profondeur, mais bon, c'est pas grave. Tant qu'on met le but. Quand on met le but, ça me va, moi. Je sortirai Yamaguchi qui a pris un carton jaune pour éviter le carton rouge. Bien qu'il est calme, il fasse pas de conneries, mais on va le sortir. À part risquer le carton rouge. Pour l'instant, voilà. Yamaguchi, oui. Katano, deuxième poteau, Suzuki, la dette. Il n'y a pas un carton jaune, il va falloir le sortir aussi. Il fait un bon match, hein, Toli, c'est pas le problème. Le problème, c'est le carton jaune. Et je vais laisser Nishia jusqu'au bout. Sortir d'autres personnes, oui, mais je vais laisser Nishia jusqu'au bout pour lui donner un match entier, pour montrer aux autres clubs qu'il vaut la peine. Hein. Toli, Maru, Hachi. On va inverser, on va mettre Oda à droite. Ensuite, Katano Pasquali, oui. Berthé, carton, probablement. Non. On va rentrer Kwangai à la place de Pasquali. On va rentrer Radjipovic à la place de Katano. Et on va attendre pour Suzuki, on va attendre encore un peu. Pointu, on pointe du doigt. Vous, les gens là. Oh, vous rentrez, vous faites la différence. Ils jouent au foot un peu. J'aimerais faire jouer Kamigata, mais bon, un, il est anxieux, deux, il est fatigué, je vais pas leur faire rentrer. Un petit Sugimoto à gauche. Non, pas... Pff, ouais, mais... Je veux pas faire sortir Nishia, c'est ça le problème.
Donc non, pas de Sugimoto aujourd'hui. Le problème, c'est que Kamigata anxieux, Fujita fatigué. Donc, Chase fatigué aussi. Ouais. Allez. Pas de pression, t'inquiète pas. T'inquiète. Il n'y a pas de pression sur toi. Ah oh oui, joli ça. Kangai. Centre. Oh oui, le gardien qui la sort. Le gardien qui sort le ballon. Voilà, Kamigata qui est sur le terrain maintenant. Kangai pour le centre. Dommage. Allez, on y va. Maruashi. Allez, Maru. Ah, il m'a regardé dodo. Il voulait faire. Il voulait que je fasse rentrer Tsukimoto, mais. C'est pas nécessairement un mauvais match. Hein. Oh, mais c'est très joli ça. Nishiya et but là. Non, à côté. À côté. Ouais, c'est un bon match quand même. On va les féliciter. On les félicitera quand il restera 5 minutes là. Bah, ouais. Ah bien. Ah non. Je pensais qu'ils avaient récupéré. Je, pas... ah, je pensais qu'on avait récupéré. Tu vois, c'est. Oula. Je pensais qu'on avait récupéré. C'est pour ça, putain, mais. C'est pour ça d'avoir deux équipes qui ont un maillot tellement. Tellement similaire que quand tu les vois comme ça de haut, c'est n'importe quoi. Putain. Je pensais que ma défense avait récupéré. C'est pour ça que j'ai fait. Oh, on a récupéré la balle. Non. Bien sûr que non, on n'a pas récupéré la balle. Et Kamigata, il aura pas de notes. Sérieux, le jeu, là. Et Omori, il se fout de ma gueule. Il fait une passe à l'adversaire. À la fin du match. Heureusement qu'il y avait plus de... Heureusement qu'il y avait plus d'action, quoi. Se fiche de moi. C'est bien, les gars. C'est... C'est bien. Rien d'autre à dire. Ouais, voilà, quoi. Un bon match. On a vu, on a pris un but encore, c'est chiant, mais bon. Et encore à la fin de la mi-temps, quoi. Ouais. Manque de concentration, comme ça, ça m'énerve à force. Mais au moins on a gagné, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ouais, c'est la fin. On a fait une fin de match correcte. Non, le problème, c'est que c'est correct, quoi. C'est, ça n'a pas été énormissime non plus. Mais au moins, on a moins de problèmes défensifs. Mais s'il faut leur insister la défense en entraînement, c'est pénible à force. Si on a vraiment besoin de faire l'entraînement dans la semaine et de faire toute une semaine dédiée à la défense à chaque fois, bon, on s'en sortira pas. On s'en sortira clairement pas, quoi. Donc ouais, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. La question, putain, j'avais un truc à regarder. Oui, si, c'est là. C'est là. Il est en Asie, là. Ouais. Je sais plus si on avait regardé. Oups, pardon. Hop. Coefficient des nations. Pascal Figati. Ah mais si, on a 3 en phase de poule. D'accord. Donc les 4 premiers sont qualifiés en fait. Tacodac. Ok. Bon. Si les 4 premiers sont qualifiés, il faut être dans les 4 premiers à la fin de la saison. Quitte à 4ème à faire un barrage, tu vois, ça peut nous rapporter de l'argent un petit peu. Et ça, ça pourrait être intéressant. Mieux que ça, ça va nous rapporter de la... un peu de réputation. Il faut qu'on finisse dans les 4 premiers. Tant qu'on peut essayer d'accrocher les 4 premières places, il faut qu'on essaye. Un maximum. Voilà.
Donc, ouais. Voilà, on va reprendre contre le Gamba Osaka. Il n'y a pas eu de transfert sur la dernière journée. J'ai essayé d'en acheter des joueurs pourtant. Et des bons. Le joueur ne veut pas. Ok. J'ai dit bon, écoute. Voilà. Hein. Nishiya a bien compris qu'il n'y avait personne qui voulait ses services. Donc il est content maintenant. Miloko, il semble contrarié d'avoir été écarté. Ouais, mais il faut que je te fasse tourner, mon petit. Un coup l'un, un coup l'autre des deux gardiens. Ça sera comme ça jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à ce que soit je m'en sépare d'un et que j'en ai un autre qui arrive qui veut bien faire rotation, soit que j'en mette un des deux en rotation. Mette un des deux en gardien secondaire. Bref. Ouais, il y a eu. J'ai eu des tentatives. J'ai fait des tentatives d'achat de joueurs, mais les joueurs ne veulent pas. Donc, écoute, on va regarder les jeunes et puis quand ils arriveront, et puis si jamais il y a. Entre temps, il y a un problème d'attaquant, c'est pas grave. On fera avec. Hein. J'ai remis Tanida dans la liste, comme ça Tanida il peut rentrer s'il y a besoin. Enfin, il y a de la place encore, hein, donc c'est pas un problème. Bref. Ouais. Essayer de gagner le match. Ça serait bien. Allez, let's go. Allez, let's go! Le match passe au Gamba Osaka. Ils sont premiers, les quatrièmes. Ils sont à 10 points devant. Donc ça serait intéressant de faire un excellent résultat. On est à domicile en plus. Donc il faudrait qu'on laisse pas filer ça. On a interdiction de perdre le match. Vu qu'on est à domicile. Donc ça serait intéressant de faire en sorte que le match on gagne, hein. Et donc du coup et comme je disais, on est à 10 points derrière, donc si on gagne on sera plus qu'à 7 derrière, on aura une chance de potentiellement attraper la première place en fin de saison. On vise pas la première place, encore une fois on vise à se maintenir normalement. Là on est dans les 4 premiers, on va viser d'avoir une place dans les 4 premiers parce que ça nous qualifie en Champions League asiatique. Donc ouais. Ça nous irait bien et ça nous donnerait de l'argent et de la réputation. Donc, nous on prend. On prend, on signe 20 fois là-dessus. Évidemment. Oh is, oh is, oh is. Allez, allez, allez. Arrête de laguer le jeu s'il vous plaît, merci. Mais récupère sous. Voilà. Ouh, qui a. Allez, on est parti. Oh là là, le lag. Je suis désolé, hein, moi ça lag aussi pendant que je joue. Ah, oh, il va siffler penalty là-dessus. Or qu'il n'y a rien du tout, mon joueur, il est même pas sur lui. Il est même pas au contact sur le mec en face, quoi. Bah oui, il n'y a pas de penalty. Qu'est-ce que tu arrêtes l'action là? Il n'y a rien sur l'action. Putain, la VAR, quoi, sérieux. La VAR, le VAR, on s'en fout. Là. On s'en fout de l'article. Article déterminant le ou la. Que ce soit l'un ou l'autre, ça change rien. La façon dont la VAR elle est utilisée là, c'est de la merde. Simplement. Oh, come on! Putain, le lag, quoi. But de nos équipes. Je sais pas si vous l'avez vu. Si oui, tant mieux. Sinon, le revoilà. Je vais le regarder avec vous. Hein. Ouais, pas mal.
Ça grince un petit peu des dents, écoute. Un tir, un cadré, un but. Bon, c'est très bien. Une bonne stat. Aïe, j'ai récupéré ça. Occupe. Voilà. Il y a un Catan. Il vit par-dessus pour Berté. En hors-jeu, il y avait... Pff, heureusement qu'il siffle hors-jeu. Il y avait deux buts, 2-0 en l'espace de 20 minutes. On aurait été vraiment bien, bien parti là. Ah, ma gassos est mal. Oh, ça ira. Je pense, non. Alors, allez. Aïe, 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 les passes, Toli. Bordel. Pas moyen de perdre le ballon là-dessus. Hein. Ah, il y a but là-dessus. Ouais, ouais. Et pour toi, celui-là, Toli. Et pour toi. Ah, ouais, la passe, elle est dégueulasse. Bah oui, mais on... Elle est pour... Il est entièrement pour toi ce but, Toli. Il est entièrement pour toi. C'est complètement de ta faute. Après, il y a... Bon, après, il y a le restant de la défense qui fait pas son taf, mais... Le but, il est entièrement pour lui. Hein. La passe dégueulasse qu'il fait vers devant et qui perd le ballon comme ça, c'est entièrement de sa faute qu'on prenne le but là-dessus. Parce qu'on perd le ballon à cause de lui. Hein. Donc ouais, à un moment... Come on. Ah, j'ai lag là aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. J'ai redémarré le PC pourtant dans la nuit, donc... à cause d'une mise à jour Windows. J'aurais pas lagué autant, mais... non. Eh ouais, on a pas oublié ce qu'il... On a pas oublié la dernière voie, les gars. Hein. Ça peut être mieux. Hein. Ça peut être beaucoup mieux, les gars. Eh ouais. Les gars, faut marquer. Hein. Marquer, arrêtez de prendre des buts. Hein. On dort, et encore une fois, on prend le but en fin de mi-temps. Quoi. Toujours pareil, hein, les 10 dernières minutes de la première mi-temps, à chaque fois, quoi. Enfin, c'est... C'est un problème. Et les joueurs, ils pensent qu'ils sont déjà au vestiaire, ou je sais pas. Ils ont fini la première mi-temps, j'en sais rien. Mais ouais, clairement, il y a un problème, quoi. Ça se déconcentre. Tant Toli, il est censé rester concentré, quoi. Enfin, il a la concentration qu'il faut, hein, mais... Il nous a fait une merde là. Ouah. Laisse tomber quoi. Oui, Berté, ouais. Oh, joli ça. Dommage. Pas corner. Les équipes a dû frapper très fort alors. God, le lag. Le lag est juste impressionnant. Je sais pas ce qui se passe à côté, mais... Le lag est juste délirant là tout de suite. Et c'est pas la vidéo, hein. Tu vois, j'ai cliqué sur le truc, il a mis 5 minutes à charger, hein. Encore, hein. Ouais, donc c'est pas la vidéo. C'est qui, c'est à gauche, on va faire rentrer Sugi. Allez, dépêche-toi un peu, oh là là, c'est pas possible. Oh, le lag, quoi, sérieux, mais qu'est-ce qui se passe? Pas vrai, ça, quand même. Vas-y, dessus! J'ai eu une invitation pour faire le pressing sur le joueur ou comment ça se passe là? Eh ouais, mais putain, il n'y a aucun pressing, les gars, il n'y a aucun effort.
Il n'y a aucun effort là-dessus. Il n'y a aucun effort. Putain, les gars, quoi. Vous dormez tous, là. C'est pas possible, hein. Va falloir vous le demander ou quoi, le pressing, à chaque fois, là. Va falloir vous demander de le... Va falloir vous le demander combien de fois que vous fassiez le pressing sur les mecs, les gars. Vous êtes censé le faire, hein. Les passes aussi, voilà. À un moment. Ouais, bien vu, ça. Il dédoublement avec Berthier, là. Katana, bah ouais, il est obligé de revenir derrière, il n'y a personne avec lui. Bah ouais. Vous sont tous devant, là. À droite. De l'autre côté, là-bas. Arrêtez d'insister de ce côté. Changez de côté, là. Là. Change. Okay. C'est bien trouvé, ça. Ouais, bien vu. Ah oui, encore. J'ai encore oublié de marquer la deuxième mi-temps. 2-2. On doit pas courir après le score, logiquement, sur ce match. On est à domicile. On est à domicile, on doit pas courir sur ce... après le score. Allez, deux partout. Qui a besoin de sortir, qui fait pas un match de fou, là. Omori, comme d'habitude. J'ai zéro surprise là-dessus. Ah, tiens, il y a un 6-50, là, tu sais. Ouais, si, c'est ça, c'est Omori. Kanyar Chase fait pas un gros match non plus. Le gardien non plus. Pasquali fait pas son match non plus. Pasquali plus près c'est en 6-40. On va mettre Kamigata, on va faire jouer un peu. Ah, Onozuki doublé. Hein. Maintenant qu'il n'y a plus Fujiwara, il va en profiter. Hein. Je pense que... les faire rentrer, on va garder 10 minutes de plus là. Vous pouvez faire la différence, les gars. Let's go, hein. Et après, faut attendre la 75e pour regarder. 72, 73 dedans qui rentre. Katano crevé. Ouais. J'ai personne à le mettre, à changer. Ensuite, qui d'autre sinon? On va pas sortir Toranosuke parce qu'il est sur un triplé, donc ça sert à rien. Oh, on a Fujita, écoute, on va faire rentrer en milieu de terrain. On va faire descendre Kwangari d'un cran. Ouais, ça change à rien. Ah, si Kwangari prend une demi, bon, ouais. Et après Suzuki peut-être. Yamaguchi fait un match correct, ouais. À la limite. Hop, long one. Non, Maru. Maruashi. Ouais. Ouais, la défense va être moins bonne, mais il faut écouter. Allez les gars, on y va là. On se motive, on essaie de marquer un but. Allez hop hop hop. Un nul ça nous arrange pas trop. Allez les autres en face quoi. 0,72 XG, 2 tirs de... 6 tirs de cadré de but quoi. Comme dire, on a fait 5 tirs de cadré de but aussi. Allez, 2 tirs cadrés sont rendrés. Au moins comme ça, il n'y a pas de déchets. Enfin, il n'y a pas de déchets. Si, il y en a, ça tire à côté, mais... Si eux, les tirs cadrés sont rentrés. Pressing. Tête. Bien, Maru. Tsugi. Ouais. Nozeki. Ouais. Ouais. Tu vas pas tout seul. T'es pas tout seul. Bien. But de Sugimoto. Allez. Nimon.
3-2. 3-2. Onozeki, homme du match encore. Hein. Deux buts, une passe D. Trois tirs cadrés, trois buts. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, même? Hey, go! Aïe, qu'est-ce qu'il fait tout ça? Oh là, les gars! Oh, pressing, marquage, qu'est-ce qu'il fout tout seul sur le côté là-bas? Oh, il y a le gardien adverse. On va pas gagner du temps, hors de question. Par contre, il descend un peu le rythme. Oh, come on, 30 secondes de la fin du match, quoi, sérieux. Les gars, on prend pas de but à ce moment-là. Hein. Voilà. Ah ben voilà. On a gagné. Onozeki, homme du match, 20 fois. Hein. Lui, ça fait deux fois de suite où il fait ses matchs, hein, quand même. Et des deux côtés, hein. Les tirs cadrés sont rentrés. Hein. 3 tirs cadrés, 3 buts de notre côté, 2 tirs cadrés, 2 buts de leur côté à eux. Hein. Les gardiens, ils ont rien foutu. Hein. Allez. Allez, c'est bien. C'est bien, les gars. C'est bien. C'est bien. Ouais, on a fait un bon match. Très bien comme ça. Mais bon, on aurait pu être beaucoup mieux que ça. On aurait pu éviter de prendre le but. On aurait pu éviter de prendre des buts quand même. La défense, on a toujours un problème. On a toujours un problème avec notre défense, et ça, c'est bien dommage. Et ouais. 3-2. Ah voilà. Sasugi qui rentre, but. Tout simplement. Mais nos équipes, franchement. Il est très bon. Il est très bon. Il a toujours été. Il a toujours. Jusqu'à maintenant, il a toujours été très très bon devant. Nos équipes, c'est très 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 régulièrement que. Fait la différence et c'est un très bon joueur qui sort du centre de formation en plus et ça je suis bien content quoi. Non, tu vois je me plains du centre de formation parce qu'il sort pas grand chose et on a ce genre d'attaquant là qui sort j'allais dire Fujita, non pas Fujita, l'autre celui qui est blessé. Yasuda, jusqu'à maintenant, c'était pareil. Hein. Jusqu'à ce qu'il se blesse en début de saison, je crois. Ouais, en début de saison, tu vois, il a fait 6 titularisations, 11 entrées en cours de match, mais si, il a fait genre 6 matchs, 6 buts, 2 passes D. Enfin, il éclaboussait la première ligue du talent qu'il avait, et il sort du centre de formation aussi, quoi. Donc, on a deux attaquants du centre de formation qui sont très bons. Et quand tu regardes le centre d'apprentissage et que tu regardes les joueurs, les jeunes à l'aisselle, ils te disent qu'on va avoir des avancantes encore. On en a deux qui arrivent. Donc, c'est pour ça que je dis on n'a pas réellement besoin de recruter un attaquant central pour surveiller certains. Mais si on avait pu, on aurait eu un attaquant central là. Mais pas trop grave. Bref, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit à tous. Pensez à me laisser un commentaire en dessous pour me dire ce qu'on pourrait faire de mieux ou pas. Si vous avez apprécié les deux matchs, moi oui, on a gagné, mais bon, dur dur quoi. Mais on a gagné, c'est déjà ça. Me dire autre chose, hein. Il n'y a pas besoin de me dire les matchs ils étaient très bien, la vidéo est un peu trop longue. Pas besoin de me dire quoi que ce soit, hein, c'est pas. Mais bon, voilà. Pensez à me dire ce que vous avez pensé de tout ce qui s'est passé dans la vidéo. Pensez à regarder d'autres vidéos sur la chaîne aussi. Et comme d'habitude, commentaire, petit pouce bleu, petit j'aime, click the like button. Hein.
Et pensez à vous abonner à la chaîne. Please subscribe. It helps. En tout cas, pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la prochaine fois pour plus de matchs. Il y en a, je sais pas combien, deux, je suspecte que c'est deux, comme d'habitude, pour l'instant. Il n'y a pas de match de coupe au milieu. On va arriver sur le mini-quart, je sais plus. Il va y avoir le match aller-retour de coupe dans pas longtemps, face aux Marinos, donc on va regarder. Mais ouais, il y a le calendrier n'est pas ultra chargé, donc c'est à nous de prendre les points là maintenant qu'on peut les prendre, tant qu'on n'a pas les matchs de coupe au milieu du passage. Et donc la prochaine fois, ouais, deux matchs, peut-être trois, ça dépend du calendrier, mais deux matchs pour sûr. Et ouais, on se retrouve la prochaine fois du coup. Allez, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit à tous, portez-vous bien, et surtout restez sages. Allez, Philippe.